Yo tout le monde, ça fait le rire, on se retrouve aujourd'hui pour un duel unboxing pack opening de cartes Dragon Ball Fusion World en compagnie de Gaëtan. Comment vas-tu? Bah ça va, tranquillou. Et bah ça va, la bagarre. La bagarre, on est là pour la bagarre. Bien évidemment les amis, dans cette vidéo, on va remercier notre partenaire Jump Ichiban qui bah du coup nous a envoyé des displays japonaise des cartes Dragon Ball Fusion World. Donc encore une fois, vraiment merci à eux, surtout que ils ont été gentils, ils m'ont offert un V-Jump, le V-Jump des 30 ans, franchement incroyable. Donc bien évidemment, il n'y a pas que des cartes à retrouver sur le site de Jump Ichiban que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo. Vous avez également des Jump, eh bien, des confiseries, snacks, etc. Des cartes Super Dragon Ball Heroes et bien évidemment les fameuses cartes Dragon Ball Fusion World. Mais aussi, eh bien, des cartes One Piece. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir, surtout qu'il y a du stock. Donc, allez-y. Et en plus de cela, la petite cerise sur le gâteau, il y a même un code promo pour votre toute première commande sur le site Jump Ichiban, SofianGeek10, qui vous donnera moins 10% sur le site. Et si jamais vous avez déjà utilisé le code SofianGeek10 pour avoir les 10%, vous avez un code permanent SofianGeek5 pour obtenir toujours 5% sur le site. Donc vraiment, merci à eux. Encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de cette vidéo. Vous y retrouverez le lien de leur site internet. Voilà, merci à eux et max de pouces bleus en mode Genki-Dama. Maintenant, les amis, voilà, la petite display Fusion World. Alors, on va se faire moite-moite avec Gaëtan, parce que du coup, lui aussi, hein, il joue à Fusion World. Il y a 24 boosters, comme vous le savez, dans une display. J'en ai encore pas mal. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez envie de gagner des displays? Est-ce que vous avez envie d'avoir une display gratos? Eh bien, ça va être le cas. Il faut aller sur mon compte Twitter, c'est @sofianegeek. Vous retrouverez le lien également dans la description de cette vidéo et sur le post où justement je mettrai le lien de cette fameuse vidéo YouTube. Eh bien, c'est très simple. Tu as juste à retweeter, liker, tu me follow et tu follow bien évidemment Jump Ichiban et on va tirer au sort quelqu'un au hasard pour pouvoir remporter une display. C'est quand même pas mal. Bah ouais. Ouais, franchement, les gars, petite display gratos, on essaye de faire plaisir à la communauté, donc n'hésitez pas. Du coup, ça fait 140 cartes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Ouais. Ça en fait quand même. Et 24 boosters, ouais. Les gars. 24 boosters. Donc là, on va en avoir 12 chacun. De la secret. On veut de la secret, on veut de l'alternative. Et bien, toi aussi, tu pourras peut-être en avoir via ce jeu concours. Donc, tu commentes sous le tweet, merci Jump Ichiban ou quelque chose comme ça, ou tu tagues un ami ou quoi, mais surtout, tu les follow, tu me follow, tu likes, tu retweets, et puis n'hésite pas également à réagir dans l'espace commentaire sous cette vidéo YouTube. Bref, allez, on est parti du coup. 12 boosters chacun, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà pour Gaëtan. Hop, je vais enlever ça. Du coup, on va enlever la boîte également. Et ben, let's go. Hein. On va se prendre, vas-y, hein, un petit booster, les amis. Hop, allez. Qui de moi ou de lui va obtenir les meilleures cartes? Alors, il y a le code. On rappelle que la dernière carte, c'est le code. Bien évidemment, je vais cacher ça. Mais pareil, pour ceux qui vont acheter eh bien, des displays japonais, sachez que les codes fonctionnent sur la version digitale. Pour ceux qui jouent à la version digitale en France, ça fonctionne. Voilà. Allez, du coup, on est parti. Donc, le Hito. Ok, Souzer. Ok, C17. Piccolo. Goku. Ok, la foil de Gohan. Elle est pas mal, hein, la petite Gohan foil. Celle-ci, elle est quand même pas mal, surtout pour le deck vert. Et attention derrière. Et bah, c'est tout. Voilà. Alors, du coup, il y en a combien? Du coup, sans le code, attends, je vais te redire. 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Allez, vas-y, à toi. J'ai enlevé le code déjà. Ok. Vas-y, au pire, je te laisse donner les blagues. Vas-y, Bata. Très bien, Vados. Très bien, Krillin. Ok, le Mafuba. Ok, encore Muten Roshi. Attention. Oh, pas mal. La Gohan Foil. Voilà, c'est Fénion hein, qui dessine ça. Franchement, incroyable. Ok, très bien. À mon tour. Donc, j'ai une Gohan Foil. Gaëtan, également, une Gohan Foil. Deck vert. On est sur du deck vert. Hop. Voilà, je vais enlever le code derrière. Tac. Voilà. Alors, du coup, Vegeta. Ok, Tenshinhan. Vegeta. Ok, Krillin.
Krilin Foil. Krilin Foil. Pas mal, hein, cette carte pour le deck rouge. Ok, mais c'est pas foufou. C'est pas foufou, mais c'est pas fini. Quand c'est pas foufou, c'est pas fini. On n'a pas dit notre dernier mot, bien évidemment. Allez, vas-y. C'est à Gaëtan, du coup. Le Black Goku. Dodolia. Ok, la petite panne. Ok, tournoi du pouvoir. Ok, le Black Goku. Oh. Et la Vegeta Foil. Ok. Ok, bon. C'est pas dingue. Hein. C'est pas dingue, mais on n'a pas dit notre dernier mot. On n'a pas dit notre dernier mot, les amis. Let's go. Encore une fois, hein, je vous le redis, hein, il y a du stock sur leur site, même également pour les decks Dragon Ball Fusion World, il y a les decks, donc n'hésitez pas, vous pouvez les commander, parce que souvent, des fois, on ne peut pas commander ou quoi, mais là, pour le coup, il y a du stock. Ok, cool. Quand même à téléporter, Jis, Trunks, et du coup, là, Goku Foil. Ok, ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Hop. On veut de la secret, nous, de l'alternative, là. C'est ça qu'on veut. Allez, vas-y, à toi. Metal Kula. Vegeta. La Bulma. Frieza. Kyabe. Et du coup, Shield. Ok, la foil de Shield. Mais c'est pas dingue encore. Franchement, les gars, c'est pas dingue. Allez, à mon tour. Est-ce que ça va être une display oufissime vers la fin? Est-ce que ça va être une display où ça va pas être ouf? On va le savoir dans cette vidéo. Et oui, les amis, on va le savoir dans cette vidéo. Alors, j'enlève le code. Hop, voilà. Gowasu, Apple, Dr. Gero, Trunks, Zamasu. Et oh, ça, c'est pas mal. La couleur, du coup, elle est vraiment stylée. La couleur SR qui est indispensable dans le deck jaune. On rappelle, vous voyez, avec les petits effets brillants. Oh, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Enfin, une carte vraiment intéressante dans cet unboxing, dans ce duel de pack opening. Donc, pour l'instant, là, on est bien. Je vais la mettre carrément, hop, de côté, parce que c'est vraiment la seule, pour l'instant, qui sort du lot. Premier SR de ce duel. Okay. Oh, une leader. Donc, du coup, elle est recto verso, celle-ci. La leader de Trunks. Pas mal aussi, hein. Franchement, pas mal aussi. Très bien, petite leader. Ok, la team de Kula. Mr. Satanda. Ok. Ok, Zamas. Trunks, la Genki Sword en foil. Pas mal. Au moins, t'as eu la leader. La leader, du coup, c'est quand même pas mal. Hop, on va la mettre là. Voilà. Tac, tac, tac. Je te la mets là. Hop. À mon tour. Allez. Une belle petite carte, là. Ça ferait plaisir. Allez. Avec Jump Ichiban. Les displays de chez Jump Ichiban. Faut que ça nous rapporte du lourd. Allez, les amis. On est parti. Ok, Pilaf. Sauzer. C17. Oh, pas mal. Deuxième SR. Deux SR coup sur coup, là. Celle-là, c'est la C18 et C17. Enfin, C17 et C18. C'est la double strike. La double strike. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est quand tu frappes ton adversaire, tu lui enlèves pas un point de vie, tu lui enlèves deux points de vie. Et il frappe à 40 000 de puissance. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Et ben là, on est bien. Deux SR. Ça, ça fait plaisir. Merci, Jump Ichiban. Merci, c'est ça qu'on demande. Voilà, c'est ça qu'on demande. Ok, vas-y, let's go. À toi. Ok, Hito. Le Hito, c'est 18. Le Goku Ginyu. Zamasu. Ok. C'est 17. Très bien, attention. Oh, pas mal celle-là. Elle est également très importante pour le deck vert. Le Goku qui se sacrifie face à celle qui va s'auto-détruire. Vraiment très importante, vous la mettez les amis. Tu utilises une énergie et la carte, si elle est sur le terrain, eh bien, elle te remet une énergie. C'est un truc de ouf. Alors, clairement, c'est un truc de ouf. Ok, let's go. J'enlève le code. Hop, voilà. Donc, du coup, Hito. Voilà, C17, ok, Gowasu, très bien, Kale, ok, l'extra card C17, C18, oh, incroyable, on a une SR alternative, celle-là, je ne l'avais pas, la Trunks SR alternative, elle est incroyable, oh là 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 là, les amis, elle est masterclass. Le Trunks Ikari SR alternative. Là, ça fait plaisir.
Oh là là, l'autofocus, il a du mal, mais... Oh là 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 là. Ok, bon bah là, pour l'instant, c'est vraiment the card de cet unboxing. Hein. Là, je suis content. Celle-là, elle va avoir une sleeve directe juste après. Ah là, je suis content. Là, je suis content, je ne l'avais pas, même en version anglaise, je ne l'avais pas. Alors, même en anglaise, franchement, je ne l'avais pas. Donc, là, ouais, là, on cause, là. Là, on cause, Jumpy Shiban. Là, c'est bien, ça. Ok, le sbire, du coup, de poule. Très bien, quand même, la téléportée, Champa. Ok, Gohan. La extra carte de Jis. Trunks, dégueulasse. Je la trouve dégueulasse, cette carte, tu vois. La Trunks Ikari alternative qu'on a eue, elle est masterclass, celle-là, elle est dégueulasse. On va pas se mentir. Elle est vraiment mal dessinée. Ok, allez, à mon tour. Allez, franchement, première alternative du display, là. Vraiment, c'est pas mal. Hein. J'ai quand même eu 3 SR, dont une alternative. Hop, le code, voilà, que je mets là. Allez, on est parti. Metal Cooler. Freeza. Krillin. Yajirobe. Ok. Et du coup, c'est la Frost Foil. Frost Foil, qui est pas mal hein, pour le deck rouge. C'est handicapant, une carte comme ça, tu la poses. Toutes les cartes de l'adversaire qui ont 20 000 de puissance ou moins ne peuvent plus attaquer. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà. Allez, vas-y, à toi. Zarbon. Chou. C19. Gowasu. Vegeta. Et la extra carte de couleur. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas dingue, mais on prend quand même, on prend quand même. Pour la collecte, les gars, la collection, tout ça, si vous avez un classeur, vous rangez vos cartes, en ce moment, c'est ce que je fais, c'est une dinguerie. Oh, la leader de Black Goku, la leader Black Goku, les amis, hop, regardez, recto, verso, ok, petite leader, donc Gaëtan, lui, il a eu la Trunks leader, moi, du coup, la Black Goku, que je vais mettre, du coup, de côté, hop, je vais ranger le code, voilà. Ensuite, Pilaf, ok, Goku, ok, team de Ginyu, Vados, Ginyu, et voilà, extra carte de Ginyu, ouais. Pas dingue, ça c'est pas dingue, ok, hop, vas-y du coup, à toi, ok, Tenshinhan, Bulma, tournoi du pouvoir, Gowasu, ok, le Ginyu crapaud, Docteur Gero, foil, ok, ok, ok. À mon tour. Du coup. Ish. On ouvre. Fais-nous plaise. Fais-nous plaise. Fais-nous plaise le booster là. Fais-nous plaise. Hop. J'enlève le code derrière. Tac. Ok. Allez. C19. Zozer. Zamasu. C18. Extra carte. Oh, pas mal. Hit SR. Pour l'instant, c'est moi qui ai voilà, que les SR. Ouais. J'avoue, c'est que moi qui ai les SR. Elle est pas mal quand même. Hein. Les beaux reflets, franchement, vraiment, vraiment classe. Vraiment classe. Ok. Bah, je suis en train de gagner ce duel. Hein. Gaëtan, il a... ouais. Gaëtan, il a pas de peau. Ça y est, ça va tomber. Ouais, voilà. Bah, si ça tombe là, faut que ça tombe. La secrète, j'avoue, si après là, il y a une secrète, je suis foutu. Ok. Le Roi Cold. Gohan. Ok, le Namek de l'univers 6. Kale, c'est 19 extra card et Mai. Ouais, Mai ouais, le foil. C'est pas là que c'est tombé. C'est pas là que c'est tombé. Alors, il nous reste 3 boosters chacun. Bon, sur les 3, 3 boosters. Ouais, sur les 3, c'est bon. Bah ouais, une secrète. Secrète de Migaté ou de Gohan. Imaginez-vous la Migaté alternative. Franchement, ça serait incroyable. Bon, ne rêvons pas, mais bon, sait-on jamais. Ok, j'enlève le code. Hop. Allez. Du coup, on est parti. Très bien. Ok. Ok. C'est 16. Et là, c'est 18 foils. Bon. C'est 18 foils. Ok. C'est pas ouf. Mais bon, on prend. Au moins, ça vous montre un peu aussi les cartes. Hein, comment elles sont. J'ai une leader. Oh, la Goku Blue leader. Ouais, franchement, pas mal. Hein. Le chara design de cette Goku Blue, en plus, vraiment bien dessiné. Ok. Très bien. C'est 17. Vegeta. Dodoria. Et la extra 4, on a du pouvoir. C'est pas fou. C'est pas ouf. C'est pas ouf. À mon tour. Ok, let's go. Allez, fais plaisir. Allez, fais plaisir le jeu. Ok, oh, leader encore. Beerus, leader. Alors, attendez, j'enlève le code en dessous. Hop.
Donc bien évidemment, on pourra en live utiliser les codes hein, digital, comme j'ai pu vous le dire, le code digital, vous pourrez le rentrer du coup sur le jeu version digitale sur PC, pour ensuite récupérer encore des boosters à ouvrir sur PC, et pour aller taper des gens sur PC, et bah oui. Donc let's go, la fameuse carte leader de Beerus. Bon, celle-là, je l'avais déjà en jap, en anglaise, tout ça. Donc voilà, ça me fait un petit doublon, pourquoi pas. Les Albon, Mr. Satan, les fameux terriens, ok, et Black Goku Extra Card en foil, ok, très bien, allez vas-y à toi, il a Piccolo, ok, Chou, Ginyu en Goku, Mai, Shin, et le Black Goku foil, ok, bon, dernier booster les amis. Dernier booster, et Gaëtan aussi, c'est son dernier. C'est là que tout joue pour moi. Tout va se jouer là. Bah même pour moi, j'aimerais bien une secrète, tu vois, ça serait vraiment pas mal. Petite secrète pour la fin là. Boucle finale les amis, max de pouces bleus, mode Gekidama. Allez, let's go. Tac, j'enlève le code. Voilà, je le fais. Et après, on verra le booster de Gaëtan. Let's go. Ok, Dr. Gero. Ok, Apple. Tenchan. Goku Blue, allez, 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 ok, ok, Ginyu Foil, ok, bon, tout va se jouer sur le dernier booster pour Gaëtan, va-t-il avoir du lourd? Pour l'instant, je gagne ce duel, on va pas se mentir, le duel spécial unboxing Jump Ichiban, on va voir. Et encore une fois, Babarian, ok. Encore une fois, les amis, n'hésitez pas, vous allez dans la description de cette vidéo, vous avez le lien Jump Ichiban et vous avez le code promo SOFIANGEEK10. Faites-vous plaisir, parce qu'au moins, là, ils ont du stock. Vous pouvez avoir vos cartes, ils ont du stock et c'est livré très rapidement. Et je tiens même à préciser, ce sont des Français qui sont partis vivre au Japon et ils ont ouvert leur société, ça fait déjà plus d'un an. Et ce sont des passionnés et franchement, ils font ça à merveille. Voilà, ok, Tenshinhan. Ok, la team de Ginyu, Sauzer, Nail, allez attention, et Guldo. Bon bah voilà. Bon bah voilà, on va pas se mentir. Je me suis fait fumer. Il s'est fait fumer. Voilà, clairement, il s'est fait fumer. Voilà, on a eu la leader, on a eu la hit, qui était plutôt pas mal. Encore une leader, Blagoku. Celle-là, c'est la masterclass du display. Franchement, la Trunks Ikari alternative, la masterclass du display, je ne l'avais pas, franchement, vraiment masterclass. Et du coup, C17, C18 et couleur. Voilà, clairement. Les amis, encore une fois, merci à Jump Ichiban. Merci également à Gaëtan pour ce duel. Ouais, franchement, c'était cool. Bah, du coup, tu as gagné des cartes pour la collection. Hein. voilà. Et n'hésitez pas, si vous voulez gagner une display gratuitement, comme j'ai pu vous le dire, ça se passe sur mon compte Twitter, @SofianeGeek. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller retweeter et follow la publication de cette vidéo, voilà, la mise en ligne de cette vidéo sur Twitter. Dedans, il y aura également le jeu concours. Faut follow Jump Ichiban, tu retweets, tu likes et tu commentes en disant merci Jump Ichiban ou quoi. Et puis voilà, merci à vous, max de pouces bleus en mode Gamekidama, merci également à Jump Ichiban, et merci à Gaëtan pour ce duel. Allez, sur ce les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.